الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue toujours notre série sur les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois nous avons vu ensemble Zainab bint Jahsh radiallahu anha, et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec une nouvelle biographie qui concerne une autre parmi les mères des croyants, une parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Il s'agit d'une femme qu'Allah tabaraka ta'ala a honorée par le fait qu'elle a été épousée par un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit d'une femme qui vaut des milliers d'hommes, et je l'ai dit et répété plusieurs fois que c'est une honte pour nous de ne pas connaître les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. On ne connaît presque rien d'elles. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une de nos mères, une femme qui a été une bénédiction pour son peuple. Aïcha radiallahu anha, on la connaît, on a vu sa biographie, une parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, a dit sur cette femme dont on va voir la biographie, elle a dit d'elle: je ne connais aucune autre femme qui ait été une telle bénédiction pour son peuple qu'elle. Savez-vous de qui il s'agit? Il s'agit de la fille d'Al-Harith ibn Abi Dirara, le chef de la tribu des Banu al-Mustaliq. Il s'agit de Juwayriya bint Al-Harith ibn Abi Dirar radiyallahu anha wa an jami'a al-Sahaba. Juwayriya, c'est le tasghir de Jariya. Juwayriya, c'est le diminutif de Jariya. Juwayriya radiyallahu anha est née environ 15 ans avant la Hijra. Elle a grandi dans le confort. Elle était la fille du chef de la tribu des Banu al-Mustaliq. Elle était très belle radiyallahu anha, et lorsqu'elle atteint l'âge du mariage, elle se maria par la suite avec Musafir ibn Safwan. Or Allah tabaraka ta'ala avait décidé d'envoyer un messager aux Arabes pour qu'il soit la cause de leur guider, afin que les gens puissent sortir des ténèbres du shirk à la lumière de l'islam. Et c'est ainsi que de nombreuses personnes de son époque ont embrassé l'islam. Ils ont tout sacrifié pour le din. Les compagnons, radiallahu anhum, ont tout sacrifié pour le din. Ils ont même quitté leur ville natale, la Mecque, pour sauver leur din et vivre aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis une fois à Médine, il y a eu la naissance du premier état islamique, alors que les juifs y vivaient déjà, ils vivaient à Médine. Et c'est ainsi que la jalousie augmenta de jour en jour dans le cœur des juifs. Chaque prophète connaissait des épreuves, dont la jalousie de ses ennemis. Ce n'est donc pas quelque chose de nouveau. L'islam a donc pris place à Médine, et cela fit naître une fraternité de taille entre les Ansar et les Muhajirin. À un tel point où les Ansar ont ouvert leur cœur à leurs frères avant de leur ouvrir leur demeure. L'histoire n'a pas connu de meilleur état que Médine, un état où il régnait la justice, la vraie fraternité, la liberté. Cet état avait été mis en place par notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Médine était un état où les musulmans ressentaient qu'ils étaient tous comme un seul corps. Ils étaient unis. L'islam se répandit par la suite dans toute la péninsule arabique, jusqu'à même en arriver à un stade où le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des épîtres à tous les rois de son époque. Il, alayhi salatu wassalam, a envoyé à Qaysar, à Khosroès, à Al-Muqawqis, à tous les rois de son époque. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a bien transmis le message de son Seigneur. Mais certaines tribus n'ont pas accepté le message du prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi les tribus qui n'ont pas accepté le message du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait la tribu des Banu al-Mustaliq. Leur chef était Al-Harith ibn Abi Dirara. Le diable les a manipulés
pour qu'ils combattent le prophète alayhi salatu wasalam. Et c'est ainsi qu'ils se sont préparés à combattre le prophète alayhi salatu wasalam afin d'éteindre l'islam. Mais le prophète alayhi salatu wasalam en fut informé. Il a été informé de leur complot, suite à quoi il envoya Buraïda al-Aslami radiallahu anhu vérifier cette information, et Buraïda radiallahu anhu le lui confirma l'information. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vérifie les informations. Il vérifie l'information. Hélas, nombreux sont ceux d'aujourd'hui, parmi nos frères et nos sœurs, qui ne vérifient rien de ce qu'ils entendent. Pour eux, tout ce qui est dit est vrai. Vérifiez vos informations avant de les transmettre. Avant d'envoyer un SMS où tu transfères, vérifie. Un email, pareil. Avant de te prononcer, vérifie. Vérifiez vos informations avant de les transmettre. Bien sûr, gardez des bons soupçons envers vos frères, mais vérifiez quand même les informations qui vous sont transmises. On a dit que le prophète, alayhi salatu wasalam, fut informé de leur complot, suite à quoi il envoya Buraïda al-Aslami, radiallahu anhu, vérifier cette information. Et Buraïda, radiallahu anhu, le lui confirma l'information. Qu'ils allaient venir le combattre. Qui? Les Banu al-Mustaliq. Le prophète, alayhi salatu wasalam, prit les devants et prépara son armée et sortit les combattre. Un Nabi alayhi salatu wasalam était accompagné de ses compagnons, mais aussi d'un groupe d'hypocrites qui ne voulaient que profiter du butin de guerre. Dans cette expédition, les hypocrites ont fait courir une immense rumeur sur Aïcha radiallahu anha en l'accusant d'avoir commis la fornication avec Safwan ibn al-Mu'attal al-Sulami radiallahu anhu ou un jami' al-Sahaba. Et cette histoire, c'est ce qu'on appelle l'histoire de l'Ifk. Et dans la biographie d'Aïcha radiallahu anha, on avait détaillé cette histoire. Ensuite, le prophète alayhi salatu wasalam les a combattus à Al-Muraysa'a, qui est un point d'eau. Et la victoire des musulmans a été écrasante. Cela a eu lieu en l'an 6 de l'Hijr, selon Ibn Ishaq et d'autres savants. Et selon un autre groupe de savants, cela a eu lieu en l'an 5 de l'Hijr. Donc, ça a eu lieu en l'an 5 ou 6 de l'Hijr. Les Banu al-Mustaliq ont été vaincus, et parmi ceux qui avaient été tués, il y a eu Musafir ibn Safwan, le mari de Juwayriya bint al-Harith. Il avait été tué. Il y a eu 10 morts parmi les mouchriquines et un parmi les musulmans. Et il y a eu parmi les mouchriquines 700 hommes qui ont été captifs, ainsi que des femmes et des enfants. L'imam Ahmad rahimallah a rapporté avec une chaîne de transmission authentique d'après Aïcha radiallahu anha qui a dit: lorsque le prophète alayhi salatu wasalam a réparti les captifs de guerre, donc il y a eu des captifs après la guerre, et Nabi alayhi salatu wasalam il les a répartis après la guerre. Aïcha radiallahu anha, elle dit: lorsque le prophète alayhi salatu wasalam a réparti les captifs de guerre, Juwayriya radiallahu anha tomba dans le lot de Thabit ibn Qais, ou un de ses cousins. Elle fit un contrat avec lui pour racheter sa liberté. C'est ce qu'on appelle al-mukataba. Donc elle a fait un contrat avec lui pour racheter sa liberté. Se retrouvant en difficulté, elle ne pouvait pas se racheter, elle n'avait pas les moyens. Elle alla voir le prophète alayhi salatu wasalam afin de lui demander de l'aide pour qu'elle puisse payer sa liberté. Subhanallah, elle était la fille de son ennemi, le chef de la tribu. Elle était endettée et quand elle a cherché de l'aide, elle est partie voir qui? Le prophète alayhi salatu wasalam. Car sa générosité était connue de tous. Sallallahu alayhi wasalam. Écoutez avec moi ce hadith qui est sublime. Anas radiallahu anhu rapporte: il n'est pas une seule fois où l'on ait demandé quelque chose au messager d'Allah alayhi salatu wasalam comme prix de son entrée en islam et qu'il ne l'ait pas donné. Une fois quelqu'un vint à lui, donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wasalam, et le prophète alayhi salatu wasalam lui a donné un troupeau remplissant l'espace qui séparait deux montagnes. Imagine, un troupeau d'animaux remplissant l'espace qui séparait deux montagnes. Cet homme retourna parmi les siens et leur dit: ô mon peuple, entrez en islam, car Muhammad donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Il donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Je ne sais pas si vous avez compris cette phrase. Il donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Il donne sans avoir peur d'être pauvre. Il était très généreux, alayhi salatu wasalam. Et effectivement, on voyait quelqu'un entrer d'abord en islam, ne visant par cela que les biens de ce monde, mais il ne tardait pas à aimer l'islam bien plus que ce monde et tout ce qu'il porte, rapporté par l'imam musulman.
On voit ici que le prophète, alayhi salatu wasalam, il était généreux. Et ça, c'était quelque chose de connu. Juwayriya radiallahu anha tomba dans le lot de Thabit ibn Qais, ou un de ses cousins. Elle fit un contrat avec lui pour racheter sa liberté, ce qu'on appelle al-mukataba. Se retrouvant en difficulté, elle est partie voir qui? Le prophète, alayhi salatu wasalam, pour lui demander de l'aide pour racheter sa liberté. Elle a dit au prophète, alayhi salatu wasalam, au messager d'Allah, « Je suis Juwayriya bint al-Harith ibn Abi Dirar, et il m'est arrivé ce qui ne t'échappe pas. Tu sais, je suis captive. Je suis tombé dans le lot de Thabit ibn Qais, ibn Shammas, ou un de ses cousins. Et j'ai un contrat avec lui pour racheter ma liberté. Je suis venu à toi afin que tu m'aides à honorer mon contrat. Subhanallah. Aide-moi à racheter ma liberté. » Le prophète, alayhi salatu wasalam, lui dit, « Est-ce que tu voudrais quelque chose de meilleur que cela ?» Elle lui dit, « Et que serait-ce donc au messager d'Allah ?» Il, alayhi salatu wasalam, lui dit, « Je règle le montant de ton contrat de kitaba et je t'épouse. » Je règle le montant de ton contrat de kitaba et je t'épouse. Elle dit, j'accepte au messager d'Allah. Elle dit, j'accepte au messager d'Allah. Il, alayhi salatu wasalam, lui a dit, qad fa'alt, je le ferai. Elle embrassa l'islam et il, alayhi salatu wasalam, se marie avec elle. Elle avait à ce moment-là 20 ans, comme le rapporte l'imam Zahabi dans Sir Alamin Obala. Puis l'information du mariage du prophète, alayhi salatu wasalam, avec Juwayriya fit le tour des gens. Et les gens dirent par la suite, nous avons entre les mains les membres de la belle famille du messager d'Allah, alayhi salatu wasalam. Parce que, il n'y a pas eu que Juwayriya qui était captive. Ils étaient plusieurs. Et donc, ils se sont dit, maintenant le prophète, alayhi salatu wasalam, il a épousé Juwayriya, mais nous, on a quoi? On a entre nos mains les membres de la belle famille du messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, ils sont captifs chez nous. Ils libérèrent alors leurs captifs. Et c'est ainsi que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Juwayriya fut la cause de la libération de 100 familles des Banu al-Mustaliq. Et là, Aïcha radiallahu anha, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je ne connais aucune autre femme qui était une telle bénédiction pour son peuple. Elle a été une bénédiction pour son peuple. Son mariage avec un nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam a fait en sorte que les compagnons se sont dit, c'est pas possible qu'on va garder la belle famille du prophète, alayhi salam, en captif. C'est pas possible. Et le hadith, comme on vous a dit, il est rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique. Aïcha radiallahu anha a décrit que Juwayriya était belle. Ça, on le retrouve dans Sahih l'imam Muslim. Juwayriya radiallahu anha a donc vécu avec le prophète, alayhi salatu wasalam. Et imaginez-vous de vivre avec le prophète, alayhi salatu wasalam. Elle vécut heureuse aux côtés du prophète, alayhi salatu wasalam. Et comment ne pas l'être alors qu'elle était en compagnie de la meilleure des créatures, Muhammad, alayhi salatu wasalam. L'un d'entre nous rêverait de voir simplement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, n'est-ce pas? Juwayriya radiallahu anha était une adoratrice, tout comme les autres femmes du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam étaient des adoratrices. Selon la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Juwayriya bint al-Harith, donc elle rapporte un hadith, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam fit la prière de l'aube, subh, puis sortit de bonne heure alors qu'elle était dans son oratoire, un lieu consacré à la prière. Elle est restée dans cet endroit. Puis le prophète, alayhi salatu wasalam, rentra une fois le soleil bien au-dessus de l'horizon, sans qu'elle n'ait bougé de sa place. Elle est restée dans le même endroit. Il, alayhi salatu wasalam, lui dit, tu es toujours dans l'état où je t'ai quitté? Elle dit oui. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dit, j'ai dit après toi trois fois de suite, quatre paroles qui, si on les pesait, dépasseraient en poids tout ce que tu as dit depuis ce matin. Elle est restée longtemps à faire du dhikr, à évoquer Allah Azzajal. Et Nabi alayhi salatu wasalam lui a dit, j'ai dit trois fois de suite, quatre paroles qui, si on les pesait, dépasseraient en poids tout ce que Dieu a dit depuis ce matin. Et il a dit, Subhanallahi wa bihamdihi adad khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Gloire, pureté et louange à Allah, un nombre de fois égal à celui de ses créatures, suffisant pour le satisfaire, égal au poids de son trône et au volume de l'encre de ses paroles. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Subhanallah, on voit dans ce hadith qu'elle est restée tout ce temps à faire du dhikr. Hélas, aujourd'hui, le temps de nos frères et nos sœurs n'est pas bien géré. Télé à fond, Facebook à mourir, Twitter toutes les secondes. Ça m'impressionne de voir des gens qui tweetent toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes.
Mais c'est un gâchis. Le temps que vous perdez, vous n'êtes pas conscient. Et vous sentez en plus que vous êtes utile. Tu n'aurais pas pu passer un peu plus de temps à faire du dhikr au lieu de rester sur Twitter ou Facebook. Tu n'aurais pas pu lire plus de Coran chaque jour. En apprendre un peu plus dans le Coran. Parce que c'est quoi les prétextes qu'on a aujourd'hui? J'ai pas le temps. N'est-ce pas? J'ai pas le temps. Fais talab al-ilm, mon frère. Étudie la science religieuse. Oh là, j'ai pas le temps. Il y a les études, le travail, le dunya, c'est le boulot. Il y a les enfants en plus. Ah, sahabi, c'est dur. On n'a pas le temps. T'as pas vu à quelle heure on rentre? Ouais. Mais par contre, shopping, on a le temps. Resto, on a le temps. Les soldes, on a le temps. Et si on n'en a pas, on vide du temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Facebook, on a du temps. Les matchs de foot, même si j'ai pas le temps, je vide du temps. Mais l'adoration, illa man rahim rabbi, sauf bien sûr ceux à qui Allah fait miséricorde. Aujourd'hui, on a le temps d'être devant la télé, le net, le téléphone. Par contre, quand tu regardes le dhikr, quand tu regardes même le temps de la salat, quand la personne l'a fait, bien sûr, hein, la prière, mon frère, tu peux la chronométrer. Tu mets un chrono, il rentre dans takbirat al-ihram, le salam, il n'est pas loin. Il est à 25 secondes. C'est proche. On dirait un sprint ou un marathon. Il faut arrêter. C'est triste, wallah. Mais les épouses du prophète, alayhi salatu wasalam, les compagnons, leurs enfants, tabi'in, adba'a tabi'in, c'était des pieux. Eux, ils étaient dans l'ibad. Ils étaient dans l'adoration. Ils passaient du temps dans l'adoration. Regardez Jouhayri radhiyallahu anha. Elle est restée au même endroit, alors que Nabi al-Sam, il est parti pour la salat et il est venu au moment du lever du soleil et elle était là en train de faire du dhikr. Nous, si on nous dit juste fais 100 dhikr par jour, ça prend même pas 3 minutes, on sent que c'est pesant, c'est lourd. Alors imagine si je te dis, bloque une heure de temps et fais du dhikr. Dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. C'est difficile, hein? Franchement. Et selon la mère des croyants, Jouhayri bint al-Harith, radiyallahu anha, le prophète, alayhi salatu wasalam, entra chez elle un vendredi, alors qu'elle jeûnait. Il, alayhi salatu wasalam, lui dit, « As-tu jeûné hier ?» Elle dit non. Elle avait jeûné le vendredi. Il lui dit, « Est-ce que tu as jeûné hier ?» Elle lui a dit non. Il, alayhi salatu wasalam, lui dit, « As-tu l'intention de jeûner demain ?» Elle dit non. Il, alayhi salatu wasalam, dit alors, « Romps ton jeûne. » Et c'est rapporté par le Bukhari. Ce hadith prouve que Jouhayri, radiyallahu anha, était une adoratrice. Ce hadith prouve que Jouhayri, radiyallahu anha, était une adoratrice qui jeûnait, qui faisait du dhikr. C'était une pieuse, radiyallahu anha. Parmi les leçons tirées de ce hadith, il y a le fait que la femme prend l'avis de son mari avant de jeûner un jeûne surrogatoire. Selon Bouraira, radiyallahu anha, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, il n'est pas permis à la femme de jeûner en présence de son mari, sauf avec sa permission. Elle ne doit introduire chez lui personne sans sa permission rapportée par Bukhari Muslim. Bien sûr, pour le jeûne obligatoire, elle ne demande pas l'autorisation à son mari. Mais pour le surrogatoire, oui. Et ça, on avait détaillé ça dans la série sur le mariage. Parmi les leçons qu'on a aussi, c'est qu'il est déconseillé, selon la majorité des savants, de jeûner le vendredi seul. De jeûner le vendredi seul, c'est makruh. C'est déconseillé pour toi de le jeûner seul. C'est-à-dire, si tu le jeûnes, tu jeûnes un jour avant ou un jour après, pour pas qu'il soit jeûné seul. Par contre, si c'est Arafah, connaissez Arafah? C'est quoi la récompense de jeûner Arafah? Il expie. Alors? Vous savez pas? Ouais? Une année de péché passé et une à venir. Donc ça, c'est pour ce qui est de jeûner Arafah. Si ça tombe un vendredi, sachant que tu ne vas pas jeûner ce jour-là pour le vendredi, mais pour Arafah, il n'y a pas de problème de le jeûner seul. D'accord? Pareil pour Ashura, le dixième jour du mois de Muharram. Tu peux le jeûner seul. Par contre, si ce n'est pas ces quatre figures, à ce moment-là, non, il est déconseillé. Jouhayri, radiyallahu anha, a vécu les meilleurs jours de sa vie avec le prophète, alayhi salatu wasalam. Puis les jours passèrent, et le prophète, alayhi salatu wasalam, décéda. Suite à quoi, Jouhayri, radiyallahu anha, fut très triste, tout comme les compagnons furent très tristes. Il y en a certains même, ils n'ont pas accepté la nouvelle, comme Omar, radiyallahu anhu.
C'était très dur, douloureux pour eux. Anas radiallahu anhu, il dit même que le jour où Nabi alayhi salatu wasalam, il est rentré à Médine, il a illuminé toute chose et le jour de sa mort, tout est devenu sombre. Tellement ils aimaient le prophète alayhi salatu wasalam. Mais Joéré radiallahu anhu, patienta et resta dans le même état d'adoration, à prier, à jeûner, à faire des efforts dans la religion. Joéré radiallahu anhu, vécut pendant le califat d'Abu Bakr, puis aussi dans le califat de Omar, de Uthman et de Ali, et à l'époque de Muawiya, elle décéda à Médine en ayant dépassé la cinquantaine d'années. Certains disent 50, d'autres 56, d'autres disent plus que 60. En tout cas, elle a dépassé la cinquantaine d'années. Elle a été enterrée dans le cimetière du Baqi'a à Médine, et c'est Marwan ibn al-Hakam qui a prié sur elle, qu'Allah tabarak wa ta'ala agrée notre mère Joueriya et la récompense de la meilleure des manières, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemble auprès d'elle au paradis, aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wasalam, bien que nos œuvres sont insuffisantes. As-salah tabarak wa ta'ala n'yanfani bima qultu n'yanfani bima samatum. Hada ma a'lam wallahu tabarak wa ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.